Quentin ? Non, je déconne. Ça va, Quentin ? Ça va, un peu la pression, mais ça va. Ça y est, c'est parti ! Oh putain. Tu sais ce que t'as à faire ? Je sais tout ce que j'ai à faire, du début à la fin. Bite en avant, bite en avant, bite en avant. Bite en avant. Voilà. Bon, ben, on verra bien. Allez, ciao. A tout à l'heure. De te retourner, ça veut dire que je te lâche. Je secoue par les jambes, par les mains. Non, je te tiens par là-haut. Ah, okay. Je te tiens là, je suis dans ton dos, je secoue, bam, tu te retournes. Ouais.
La délivrance. Voilà, bah là, c'est un saut, c'est comme si j'étais pas là. Moi, je fais rien. Je surveille juste de loin. Allez, ciao. Là, il saute avec son propre pliage. Ouh. Avec Vertical Wind, avec Julien. Alors, si tu veux plus de bogositude, faut venir. Ouais. Et en face, surtout. Ouais, super bien passé. Ça faisait très longtemps que j'attendais de tomber sur une activité qui me plaisait vraiment beaucoup. Là, c'est chose faite, j'adorais ça. Julien m'a dit que c'était pas obligé de parler de lui, mais franchement, le moniteur au top. Génial et super expérience en tout et pour tout. Les trois premiers sauts un petit peu compliqués, surtout la sortie d'avion, les mains moites, etc. Et puis au quatrième il y a eu le déclic et puis depuis c'est que du plaisir quoi. Que du plaisir. Donc voilà, bah on est là quoi. Et pour moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un sport où il fallait vraiment que je repousse mes limites et puis que j'affronte un petit peu mes peurs. Mais après les trois premiers sauts, ça a été franchement que du plaisir. Le quatrième, c'était vraiment le déclic aussi. Et puis là, ben, depuis qu'on est en solo, c'est le vrai déclic en fait. C'est du plaisir à chaque fois j'ai envie d'y retourner. Alors qu'avant, j'avoue, le matin, quand même, j'étais là genre, il faut que je ressorte d'un avion. Mais c'était vraiment une découverte, ouais, le soir aussi. Ouais. C'était vraiment une découverte de fou. Merci beaucoup Julien pour l'encadrement, pour tous les conseils, pour la patience. Ouais. Et merci Julien, meilleur mono. Ouais. Et puis même si moi ça me mettait un peu de pression que tu sois là, c'était quand même aussi très très rassurant de t'avoir à côté pour nous rattraper au cas où. Voilà, merci beaucoup.